Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Je bénis le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour chacun de nous. I bless the name of the Lord for what he has done for each of us. Le Seigneur est un Dieu de grâce. The Lord is a God of grace. C'est un Dieu qui nous aime. He is a God that loves us. Affectionnement. He loves us. Et sans condition. And without any condition. Il ne nous demande pas d'être qualifié. He doesn't ask us to be qualified. Il ne nous demande pas d'avoir He doesn't ask us to have fait des prouesses to do some big things avant qu'il ne nous manifeste sa grâce et before son amour. He manifests his grace. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore acclamer pour le Seigneur. We will clap for the Lord one Alléluia. More time. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit, c'est pour acclamer pour le Seigneur. I ask you to clap for the Lord. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Amen. 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 Ce soir, nous sommes encore à vendredi. Tonight we are on Friday. Et nous allons ensemble à la lumière de la parole de Dieu. And through the light of the word of God. Voir les saintes écritures ce que le Seigneur veut de toi et de moi. And we will see what the Lord needs in your life and in my life. Il nous a créé. He created us. C'est pour une mission bien déterminée. It is for a mission. C'est pour que je puisse me mettre à part. It is for me to put myself away. Afin qu'il puisse nous utiliser. So he can use me. Si nous sommes là ce soir. If we are here tonight. C'est parce que vraiment nous avons faim et nous avons soif. It is de because lui. You are hungry and thirsty. Si tu t'es déplacé pour être là ce soir, if you take the time to come here tonight, c'est parce que tu veux quelque it is chose. Because you need something. Ma prière est que le Seigneur te donne my prayer ce is pourquoi that tu God es venu give you pour chercher. What you want. Disposons nos cœurs. Put ourselves away. Je salue au passage notre frère Ouedraogo Mohamed. I greet our brother Ouedraogo Mohamed. Recevez-le. Receive him. Alléluia. Alléluia. Dimanche, on va bien te présenter. Sunday, we will introduce you more. Nous sommes à l'orée de Pentecôte. We are about to get in Pentecôte. Et nous allons prendre le temps qui est un peu devant nous. And we take the little time that is ahead of us. Et ouvrir une parenthèse. And open a parenthesis. Pour parler de Pentecôte. And to talk about Pentecôte. Et l'Esprit de Dieu me met à cœur. And the Holy Spirit put in my heart. À préparer l'Église. And to prepare the church. À préparer à travers la parole de Dieu. And to prepare through the word of God. Les cœurs. The hearts, afin que so, nous puissions we can être renouvelés. Be renewed. Vous savez qu'à une marche, à un moment donné de la marche, you know, when you walk at a certain level of your walk, tu seras un peu fatigué. You will be tired. À un moment donné de la marche, at a certain level of the walk, tu auras l'impression que le carburant est en train de finir. You will have the impression that your gas à un moment is donné de la marche, getting out. At a level of tu your sens walk, que tu es tombé en réserve. You feel like you are in your reserve. Il faut encore you need remettre le carburant. You have to put, to take more gas. L'énergie. Energy. Il faut encore que tu reçoives encore comme du sérum you have to, receive qui va être un stimulant that will be like a stimulant pour encore te relancer. And to will boost you. Pour encore te relancer. That will boost you. Et demander à ce que le Seigneur and ask for the Lord te donne encore des armes, to give you more weapons, des outils
an instrument afin que tu puisses encore avancer, for you to keep moving afin forward, que tu puisses encore évoluer, for you to evolve. Pour cela, ce soir, that's why tonight, j'aimerais que tous ensemble, I would love us together, nous ayons une attitude, we have an attitude de quelqu'un qui se repent, of someone who need to repent. Nous ayons l'attitude de quelqu'un qui demande pardon. Of someone who need, forgiveness. Nous ayons l'attitude de quelqu'un qui n'est pas arrogant, who is not pride, qui n'est pas orgueilleux, who is not selfish, qui n'est pas gonflé, who is not selfish. Que nous ayons l'attitude de quelqu'un qui veut de l'aide, of someone who really needs support. De quelqu'un qui veut que l'Esprit de Dieu ait un regard sur lui. That need the Holy Spirit to have a look at him. Tout part du cœur. Everything goes from the heart. Et ce soir, nous allons prendre un peu du temps, and tonight we will take more time, pour nous préparer, and to get ourselves ready, à rentrer dans le pneumatikos, and to enter, qui s'agit du Saint-Esprit. That means the Holy Spirit. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. The church is led by the Holy Spirit. L'Église n'est pas conduite par un pasteur, the church is not led by a pastor, ni un prophète, or a prophet, ni un enseignant docteur, or a doctor, or a teacher, or professor. L'Église est conduite par le souffle de Dieu, he is led by the breath qui of est God, le Saint-Esprit. That is the Holy Spirit. L'Église est conduite, the church is led par Jésus-Christ, by Jesus Christ, qui est le chef de l'Église. That is the chief of L'Église the church. Est conduite, the church is led par Christ lui-même. By Christ himself. L'auteur de l'Église, the author of the church, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Is Jesus Christ of Nazareth. Quiconque étant né d'une femme et d'un whoever homme was born from a n'est pas l'auteur de l'Église. The je ne suis pas l'auteur de l'Église. I am not the founder il of a this dit church. À Pierre, he said to Peter, sur cette pierre, on this, rock, Matthieu 16, ce n'est pas la pierre it is not the rock, quelconque que nous connaissons. That we all knows, Pierre a été Peter was celui-là qui a the dit one that said, tu es le Messie. You are the Messiah. Tu es le Fils de Dieu. You are the Son of tu God. Es le Sauveur. You are the Savior. Tu es celui qui est venu pour ôter le péché de you l'humanité. Came to take the sin of the humanity. À l'issue de cette révélation, and from this revelation, Jésus lui dit, Jesus Christ said, nul ne détient de cela no one, si ce n'est que de Dieu. If it from you. Pour cela, that's why, toi Pierre, you, Peter, je bâtirai mon Église I will build my church sur cette pierre. On this pierre. C'est pas une pierre quelconque. It is not the rock that c'est sur la pierre de la révélation. It is the rock of revelation. La pierre du Pétro et de Petra. And the Petro and c'est the Petra. Sur cette pierre on this rock, que je vais bâtir I will build l'Église universelle grande, the universal church, le corps ecclésiastique, the ecclesiastic la mort. Le séjour des morts death ne va pas pouvoir, ne va pas prévaloir, prevail, ne va pas toucher touch les méchants, wicked, les sorciers, witchcraft. Quel que soit ce qu'ils vont faire, no what personne we ne we peut do, toucher no l'Église touch de Jésus. The church of tu vas Christ. Essayer, you will try, mais tu n'y arriveras but pas. You will fail. C'est Jésus-Christ qui Christ est le maître de l'Église. Jésus-Christ qui est le berger qui conduit l'Église. Les serviteurs church, sont des petits bergers they are small que Dieu passe God pour parler à son Église. To his et il faut que ce soir, tonight, nous puissions nous arrêter, we have to take a faire un regard intérieur, and look at of reconsidérer us. Nos œuvres. Reconsidérer nos actes and reconsider our parce que tu ne peux pas because you cannot être chrétien be a Christian sans le Saint-Esprit without the Holy Spirit. Tu ne peux pas être chrétien you cannot be a sans Christian le souffle divin without the divine tu ne peux breath. Pas être chrétien you cannot be a Christian sans les dons spirituels without the spiritual tu gift. Ne peux pas servir Dieu you cannot serve sans the Lord l'aide du Saint-Esprit without the help of the Holy Spirit. Où est ton niveau actuel what is your level avec le Saint-Esprit right now with the Holy Spirit. Où est ta marche actuelle where is your level of your avec le Saint-Esprit. With the Holy Spirit. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. We are in the book of Chronicles. À partir du chapitre 29. From the chapter 29. Premier à 7. From verse 1 to verse 7. Je nous invite tous. I invite all of us. À disposer nos cœurs. To make our heart ready.
2 Chroniques 29, premier. Deux Chroniques 29, premier, si vous y êtes. Il s'agit du roi Ézéchias. It is talking about the king Ezekias. Si vous y êtes, nous allons lire la parole de If Dieu. You are there, we will read the word Deux of God. Chroniques 29, premier à 7. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régnant 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abisha, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Verset 3. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les repara. Alléluia. Amen. Écoutez bien la lecture de la parole de Dieu. Listen carefully to the reading. Commençons à partir du verset 3. Starting from the verse 3. Notre attention est attirée. I call upon your attention. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les repara. Verset 4. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit: écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel, et lui ont tourné le dos. Verset 7. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans le sanctuaire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Vos acclamations ne sont pas nourries. Your clap is not nourished. Acclamons pour la parole de Dieu. Let us clap for the word of God. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Lord, we want to listen to your word. Saint-Esprit, viens maintenant. Come down. Et parle à nos cœurs. And speak to our heart. Touche à nos cœurs. Touch our heart. Saint-Esprit, Holy Spirit, c'est toi seul qui you peut are the only one. Expliquer, enseigner. That can explain and teach. C'est toi seul qui peux accompagner ta parole. You can accompany your word. Je te prie que tu accompagnes ta parole. I pray that you accompany your word dans les cœurs. In the hearts. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que le cœur, may the heart, même le plus dur, even the hard le rocailleux, even the hard one, soit ramolli. Be au moyen de ta parole, through the word au of God, nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, remplis-moi de ton esprit, fill me by your Holy Spirit, couvre-moi par ton sang, and cover me by your afin blood, que je puisse parler à ton peuple de so ta part, I can speak to the que ma chair on your disparaisse and my flesh disappear, et que ton esprit croisse en and moi, my Holy Spirit increase, que ma langue, Seigneur, soit délié, and my tongue be released, et que ta parole soit libérée, so your word will be released, avec puissance et autorité. Power and authority, qui est capable de séparer les sentiments du cœur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, people of God, nous sommes dans la parole de Dieu, we are in the word of God, qui est interpellatrice ce that soir. Calls upon our attention. C'est un message interpellatrice. It is a message that calls le thème intitulé or the topic is Jésus-Christ, Jesus Christ, baptise-moi du Saint-Esprit. Baptize me with the Holy Spirit. Le thème de ce soir, the topic of this Jésus-Christ, of tonight, Jesus Christ, baptise-moi de ton Esprit Saint. Baptize me by your Holy Spirit. Mais bien avant, before, en prélude, you know, nous allons défricher, we will take nous allons part, préparer le terrain. We will, you know, que le technicien prépare Jérémie 4, 3 à 4. Et nous allons le lire après Jérémie chapitre 4, verset 3 à 4. And we will read this nous allons verses, nous préparer we will make ourselves ready, afin de pouvoir rentrer dans les moments de prière du baptême du Saint-Esprit. And be in the, position of demander à ce que Jésus-Christ
and ask the whole Jesus Christ nous baptise de l'Esprit Saint. And to baptize us with by the Holy Spirit. Mon frère, my brother, est-ce que tu ne sens pas, don't you feel, que tu as fermé les portes du temple? You close the doors. Mon frère, my brother, est-ce que tu n'as pas remarqué don't you, que tu as éteint les lampes that you turns off the lamps du temple? Of the temple. Mon frère, my brother, est-ce que tu ne sens pas, don't you feel, qu'il n'y a plus de parfum qui dégage de toi, that you don't have any perfume, comme une agréable odeur vers l'Éternel? A good, smell. Mon frère, my brother, est-ce que tu n'as pas remarqué, don't you feel, que les portiques de ton temple of your, qui est temple, le Saint-Esprit, that is the Holy, est-ce que ces portiques ne sont pas fermées? Isn't, them closed? Qu'est-ce qui peut fermer les portiques? What can close the door? Ézéchias nous a dit, Ézéchias said, les péchés d'idolatrie de nos parents, and, the sins, les of, péchés of our parents, d'impudicité de nos parents, of impudicity of our parents, ils se sont mal comportés. They behaved, badly. Et le mauvais comportement a fait que l'Éternel s'est éloigné. Le temple a été fermé. And it is closed. La maison de Dieu a été fermée. The God of God is closed. La lampe, the lamp, qui devrait être allumée 24 heures sur 24. Be, light, like 24 hours. Levitique 6, 1, 6. Levitique 6. L'autel sur lequel the altar on le feu doit être allumé permanemment. La parole de Dieu nous dit, the word of God said, à travers deux chroniques, two chroniques, que cette lumière était éteinte. This lamp was, cette flamme était éteinte. And this flame was, quelle est cette thermal lumière? What is this light? La lumière de Genèse 1, 2. The light of Genesis, que la lumière soit. May the light be, et la lumière fut. And the light be. Ce n'est pas la lumière du soleil. It is not the light of the ce sun. N'est pas la lumière de la lune. It is not the light of the moon. Au commencement, c'était ténébreux. The beginning is well dark. Il n'y avait pas de lumière. There wasn't light. Cette lumière, this light, c'était la lumière dont parle Jean. It is the light that was talking Jean chapitre 1, verset 3 à 4. John says, la lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnue. Mon frère, cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Celui-là qui a ouvert les yeux des aveugles. Et Ézéchias a dit, sacrificateur, lévite, aujourd'hui, today, à l'image de toi et moi, as you and I, selon l'ordre de Melchisedec, dont Hébreux 6 et Hébreux 7 ont parlé, about, nous sommes les sacrificateurs du Dieu vivant. We are the sacrificator of the Dieu nous a donné God. Cette capacité. He have given us the capacity. Le voile a été déchiré. J'ai la capacité de rentrer afin d'opérer le sacrifice, and to do the sacrifice de repentance, of repentance, le sacrifice, and the sacrifice d'action de grâce. Of our great, par conséquent, of giving, je suis sacrificateur du Dieu vivant. Of, et c'est pour cela, il t'appelle ce soir, venez, come, venez sacrificateur. Come, priest. Il faut que nous nous assemblons we have to gather, de partout. And from everywhere, et écoutez la parole de l'Éternel. Listen to the word of God. Il dit maintenant, he said now, sanctifiez-vous. Sanctifie la maison de l'Éternel. Sanctify the home of la the maison Lord. De l'Éternel, the house of the Lord. C'est le temple du Saint-Esprit. It is the temple of the Holy Spirit. Tu es la maison de l'Éternel. Dieu veut descendre dans sa maison. And God wanna come l'Esprit de Dieu veut descendre dans sa maison the ce Holy soir. Spirit want to come L'Esprit veut God. Visiter son temple. The Holy Spirit want to visit mais tant que temple. Ce temple n'est pas balayé, tant que ce temple n'est pas raclé, tant que ce temple n'est pas défriché, il est difficile à l'Esprit de Dieu de descendre dans ta maison. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mon frère, défrichons-nous make yourself ready. Nos cœurs ce soir. Your heart L'Esprit de Dieu the Holy Spirit veut se manifester ce soir. Would love to manifest himself mon frère, my brother, est-ce que ta lampe, is not your lamp, est-ce que ta flamme is your flame, n'est pas pratiquement éteinte? It is not turns off. Ce n'est pas un problème. It is not a problem. Il y a une procédure there is a process par laquelle through which tu peux encore attiser you la lampe, can, turn on attiser your lamp. La flamme. And it turns on your light.
Il demande, he asks you, mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Put away all things that are impure. Peuple de Dieu, people of God, qu'est-ce qui est impur dans ta vie? What is impure in your life? Peuple de Dieu, people of God, est-ce que tu penses, do you think, que dans ta maison, that in your home, toi qui es assis, you sit là où tu dors, where you live, tu peux faire 2 mois, you can spend tu peux faire 3 mois, 3 months, sans balayer ta maison, without, you know, cleaning sans your nettoyer home, ta cuisine, without cleaning your sans balayer ta chambre, without chicken est-ce your que tu room, peux faire 6 mois, can you spend sans six enlever months, les toiles d'araignée, without cleaning your home, là où tu dors, where you live, est-ce que tu peux faire 6 mois, can you spend six sans months, laver tes robes, without cleaning your sans home, laver tes habits, without cleaning your clothes. Ézéchias te dit, Ézéchias said, il faut que tu purifies. You need to purify. Il faut que tu jettes. You need to throw away. Il faut que tu ramasses. You need to take les mauvais comportements. All bad behavior. Ce qui est impur. What is impure? Ce qui est mauvais. What is bad? Le sale caractère. The bad le mauvais cœur. And the bad qui ne pardonne pas. That do not la parole de Dieu dit, the word of God si says, tu veux que le Saint-Esprit te visite, if you need a visitation il faut que tu arrêtes. You have to stop le péché. The sin. Il faut que tu arrêtes. You have to stop ce que tu es en train de faire. What you have si tu n'arrêtes pas ça, if you stop l'Esprit stop de Dieu ne descendra the pas. Holy Spirit cannot si tu n'arrêtes pas ça, if you don't stop tu ne peux pas recevoir you cannot receive un étranger dans ta vie, like a stranger dans in ta your maison. Life, in your home. Si tu ne nettoies pas, if you don't clean, personne ne va vouloir entrer là-bas. No one will like to là où il y a les impuretés, where there is impurity, là où il y a les saletés, when there is dirt, il y a toute forme de mouche, all type of il y a toute forme d'insectes, all of il y a toute forme de bestioles. All of regarde ta vie. Look at your life. Regarde ta vie. Look at your life. Ce que tu fais en secret. What you do in regarde secret. Ta vie. Look at your life. Quand tu es seul, when you are alone, personne ne te voit. No one sees. Qu'est-ce que tu fais, mon what frère? Do you do? Préparez vos cœurs. So, prepare ce your heart. Soir, tonight, l'Esprit de Dieu the Holy Spirit veut te toucher. Would like to l'Esprit de Dieu the Holy Spirit veut te visiter. Would like to visit regarde you. Comment tu parles. Look at how you regarde speak. Comment tu causes. Look how you talk. Regarde ta façon de vivre. Look the way you est-ce live. Que tu penses do it que le Saint-Esprit the Holy peut te visiter can visit dans cette condition? Est-ce que tu penses que le Saint-Esprit the Holy Spirit peut te remplir can fill dans you cette condition? Ézéchias te dit, jetez, mettez hors de la maison les impuretés, les méchancetés, la haine, les jalousies, le non-pardon, l'amour de l'argent, toute forme de vie, de critique, toute forme de vie, des intrigues, toute forme de vie, de destruction. La parole de Dieu te dit, arrête cela. Sinon, tu ne recevras pas le baptême du Saint-Esprit. Sinon, quand le Saint-Esprit va venir, rien ne va te toucher. Sinon, tu ne peux rien recevoir. Jérémie 4, 3, 4. Peuple de Dieu, la parole de Dieu nous appelle ce soir à la repentance, à la purification. La parole de Dieu nous appelle ce soir. Il faut que toi et moi, nous regardons nos vies, regardons nos comportements, regardons nos agissements. Ce n'est pas possible que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. God, avec la forme de vie que tu as, of the type of le life type you de have, vie que tu as, the kind of life es-tu you have, prêt pour arrêter? You, are you ready to es-tu stop? Prêt pour jeter hors are you to throw away du temple de l'Éternel from the temple of the Lord, cette impureté? All this impurity. Si oui, si l'Esprit yes, de Dieu aussi est prêt pour venir the en Holy toi. Spirit is ready to come si tu es prêt, if you are l'Esprit ready, de Dieu aussi est prêt. The Holy Spirit tout is dépend ready. De toi. All depends on si you. Tu es prêt, if you are ready, tu le recevras ce soir. You will receive it sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, dans ton travail, tu ne peux pas réussir. In your work, you cannot succeed. Sans le Saint-Esprit, without the Holy Spirit, tu ne peux pas réussir dans tes études. You cannot succeed in sans your le Saint-Esprit, with the Holy Spirit, tu ne peux pas réussir dans la société. You cannot succeed in the sans society. Le Saint-Esprit, without the Holy tout Spirit, ce que tu entreprends, what you will entreprise, ça va être un échec. Entreprise will be ça va être un échec. Will fail. Sans le Saint-Esprit, without
C'est difficile d'avoir la guérison sans le Saint-Esprit. C'est difficile d'avoir la promotion sans le Saint-Esprit. Il est difficile d'avancer. Le Saint-Esprit, il est l'unique qui te tiendra par sa main pour t'amener d'étape en étape, de niveau en niveau, de lieu en lieu, de place en place. Seul le Saint-Esprit peut t'amener à enjamber les trous, à enjamber les pièges de l'ennemi. Seul le Saint-Esprit peut bloquer les flèches mystiques. Seul le Saint-Esprit peut te délivrer de toute forme d'envoûtement. Seul le Saint-Esprit peut te restaurer. Regarde ton cœur. Look at your heart. Jérémie 4:3. Montrez-nous ce qui est dans nos cœurs. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Pick up your fallow ground. Et ne semez pas parmi les épines. And do not sow among thorns. Il y a des épines dans ton cœur. Il y a des épines dans ta vie. There are thorns in your life. Il y a des épines dans le temple du Saint-Esprit. There are thorns in the temple of the Holy Spirit. Dans ton champ. In your field. Tu es le champ de Dieu. You are the field. Là où God. Dieu veut semer sa parole. Where you wanna sow his word. Là où Dieu veut déposer sa nourriture. You wanna put his field dans ce temple-là. And this tu ne peux pas refuser de défricher ce cœur que tu as, ce cœur difficile, ce cœur compliqué, ce cœur impardonnable, ce cœur qui accuse, ce cœur qui insulte, ce cœur que tu utilises pour salir la réputation des uns et des autres. La parole de Dieu te dit, défriche ce cœur, racle ce cœur, nettoie ce cœur. Regarde ce que ton cœur te conduit de faire. Look at what your heart tells. Regarde comment tu nuis à tes prochains. Look at how you destroy. Ce cœur ce soir tonight, doit être raclé. Need to be empty. Doit être nettoyé. Need to be clean. Ce cœur doit être purifié. Need to be purified. Seul only le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Seul only le sang de Jésus. The blood of Jesus. Avec ton obéissance. With your obedience. Avec ton acceptation. With your acceptance. D'ouvrir ton cœur et de défricher. Help him to your heart. Il veut rentrer. He want to enter. Ça dépend de toi. It depends on you. Il ne te force pas. He cannot force you. Il ne t'oblige pas. He Dieu te laisse toujours you. Avec ta volonté. He lets you with your will. Ma mission, mission, c'est de vous prêcher la parole. Is to preach you the word. La mission du Saint-Esprit, the mission of the Holy c'est Spirit d'agir dans vos cœurs. Is to act in your heart. Ta mission aussi, your mission c'est d'ouvrir ton cœur. Is to open your heart. Chacun a sa mission. Everyone je has suis mission. En train de remplir ma mission actuellement. I am fulfilling et je sais duty. Que le Saint-Esprit aussi and the Holy est en train de remplir sa mission. Is about to toi qui es assis, mission, you, si tu refuses d'ouvrir ton cœur, le Saint-Esprit, il va venir. Apocalypse nous dit, je suis à la porte, je me tiens et je frappe. And I'm not je frapperai toujours. Il frappe knock. Avec quoi? He knocks il frappe avec la parole que je prêche actuellement. The word il frappe avec ce que je suis en train de te he dire actuellement. With what I'm si tu entends, if you listen, si tu acceptes, if you accept, si tu ouvres ton cœur, and you open your il va rentrer. He will enter. Il va manger avec toi. He will et toi aussi, tu vas manger avec lui. And you will have it. Ça dépend de toi. It depends on you. Tu as la clé de ton cœur. You are the key of si your tu veux heart. Ouvre, if you want si tu veux ferme, if you want je remplis ma mission. Le Saint-Esprit est aussi là ce soir pour remplir sa mission. Si tu veux repartir bredouille comme tu es venu, ça dépend de toi. Alléluia. La suite du verset. The follow-up with the verse. Ne semez pas parmi les épines. Don't seed among the thorns. C'est quoi encore? C'est pas là-bas. C'est quoi vous avez fabriqué comme ça là? Défrichez-vous un champ nouveau. Ne semez pas parmi les épines. And do not sow among thorns. Il nous informe qu'il y a des épines. There are thorns dans nos cœurs. In our hearts. Un terre fertile. A fertile land. Mais non productif. But unproductive. Il n'y a que des épines qui sortent là-bas. Only thorn will come up. Et de l'herbe. And only grass. Ton cœur peut être fertile. Your heart may be fertile.
Mais tant que tu ne racles pas le cœur, la semence qui est en train de sortir, même quand ça va tomber, les épines vont étouffer ça. The thorns will get over them. Peuple de Dieu, people of God, es-tu prêt pour laisser l'Esprit de Dieu rentrer dans ton cœur ce soir? To let the Holy si oui, lève ta main. If you are ready, open your si tu es prêt pour laisser l'Esprit de Dieu rentrer dans ton cœur ce soir, ready to open your heart and lève let the Holy ta main. Spirit, raise your hand. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory to God. Je sais que d'ici la fin de la prière de ce soir, until the end of the prayer of celui tonight, qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, those who do not, who haven't get ba- ou celui-là même qui était baptisé du Saint-Esprit, or those baptized by the Holy Spirit, et qu'à un moment donné, and a certain time, le niveau a diminué, the level decreases, ça dit que c'est comme une lampe tempête. It is like a lamp. On augmente. You increase. À un moment donné, ça peut diminuer. And it can decrease at a si le pétrole ou l'huile est en train de finir. If you lose the gas. Les lampes Petromax. The lamp with petroleum. Ceux qui ont connu ça. Those who knew it. C'est comment ça fonctionne. They know how it works. Ton cœur aussi, à un moment donné. Your heart at a certain time. Fonctionne comme une lampe Petromax. Works like a lamp that takes petrol. La flamme peut être bien attisée the light can be, à condition s'il y a de l'huile ou du pétrole if there is like a petrol à l'intérieur. Inside. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. The oil is, the image of the Holy Spirit. L'huile the oil représente is le Saint-Esprit. Like the Holy Spirit. La flamme the flame est produite par l'huile. Is, a product by the oil. Continuons. Keep. Avec Jérémie. With Jeremiah. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Quand il disait ne chemez pas dans un champ, when he said do not show in a field, sans défricher, without you know, le champ là c'est le cœur. The field is the heart. La circoncision. Or circumcision. C'était une circoncision faite de main d'homme. N'enlevez pas le verset, s'il vous plaît. Don't take it. Et ici, maintenant, il nous parle de circoncire le cœur. Homme de Juda et habitant de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'afflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Merci beaucoup, technique. Thank you so much. Peuple de Dieu, people of God, qu'est-ce qui peut éclater la colère de Dieu? What can start the angriness, the anger c'est of God? Si et quand it is je when, m'entête à semer I'm stubborn sans défricher, and I saw without sans racler, making it empty. Je m'entête I'm stubborn à semer when I sow sans préparer le terrain. Without making the field ready, il dit, and I say. Que le cœur de Dieu s'enflamme comme un feu. Then the heart of God is like qu'on a ne flame. Peut pas éteindre. It's difficult to nos them. Péchés nous éloignent de la face our de Dieu. Sins take us away from the face of God. L'unique barrière the only barrier entre Dieu et nous, between God and us, ce sont nos iniquités. It is our sins. Ce sont nos péchés. It is our sins. Nos mauvais comportements. Our bad behaviors. Peuple de Dieu, people of God, ce qui fait what is que le niveau de la lampe, the level of your lamp, du feu diminue, and the light c'est ton péché, c'est mon péché. It is my sins, it is c'est mes iniquités, tes iniquités. It is my iniquity, is your iniquity. Mais la bonne nouvelle, but the good news, Ézéchias nous dit, said, il faut simplement you only need faire sortir du temple, take away from the temple ses impuretés. All these impurities. Qu'est-ce qui ferme la porte du temple? What closed the door of the temple? C'est le mauvais comportement. It is the bad behavior. Le cœur, à un moment donné, your heart at a certain time devient très dur. It comes so hard. Le Saint-Esprit même a des difficultés pour entrer. Sometimes the Holy Spirit even have difficult hard time to enter. Mais dès que tu ouvres ton cœur, but when you open your heart, le Saint-Esprit rentre facilement. The Holy Spirit enter easily. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe 59, 1 à 3. 59, verse 1 to verse 3. La parole de Dieu là-bas commence par non. The word of God there start by no.
Ça veut dire qu'à quelque part, it means like somewhere, il y a eu des propos qui se sont tenus. Some word was, et on vient commencer une phrase par non. And they started a sentence on by a répondu no. à quelqu'un. They answered to someone. Dans le 58 premier, il dit crie, crie à plein gosier. Cried loudly. Élève ta voix comme une trompette. And raise your voice. Et annonce à mon peuple son iniquité. And talk to the people. La maison de Jacob ses péchés. Iniquité. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies comme une nation. Et quand vous lisez le verset, le chapitre 58 when jusqu'à la fin, the chapter 58, il nous répond ici, the answer as you, non. No. Qu'est-ce qui se passe? What is happening? On vient dire non. And they say no. C'est que il y a une requête, il y a un sujet, like il y a une prière, prayer, il y a une doléance like qui a été faite. That was et on done. Vient vous dire ici, and the here, non. No. La main de l'Éternel the Lord's hand n'est pas courte pour sauver. Is not short. C'est qu'à un moment donné, il y a une situation like qui s'est présentée à toi. That et ici, on vient and te here, dire, malgré que tu cries là, even if you pray, sauvez-moi. Say, malgré que tu cries là, you cry, exaucez-moi. Respond. Malgré que tu cries là, that's why you cry. Venez à mon secours come là. To my rescue. On vient te dire, they answer you, la main de l'Éternel n'est pas trop Lord's courte pour te sauver that it cannot de ta situation. From your situation. Sa main n'est pas courte pour te retirer and to take de la boue dans laquelle tu te trouves. From the situation that you are. Il dit aussi, and he said, son oreille my ear n'est pas dure is not heavy pour entendre that it cannot ta hear prière. Your prayer. Il n'y a rien nothing qui empêche Dieu that de pouvoir te répondre. To answer rien. Nothing. Avançons au verset 2. Go to the next verse. Il va te montrer he will show you la conséquence. The consequences. Ce sont mes crimes. It is my cry. Ce sont tes crimes. It is your cry. Mes péchés. My sin. Tes péchés. Your sin. Qui mettent that une barrière. The barrier. Une séparation. The obstacle. The obstacle. Un empêchement. Like a entre toi et Dieu. Between entre I moi God. Et Dieu. Between frère. Brother, frère, brother, regarde. Look up. Es-tu en proximité avec Dieu? Are you near God? Es-tu à côté de Dieu? Are you close ou bien une séparation? Or there is a frère, brother, regarde ta relation. Look at your relationship. Entre toi et Dieu. Between you and God, y a-t-il une séparation? There, is there a separation? Peuple de Dieu. People of God, le Seigneur veut nous faire du bien ce soir. He wanna do good things in our life tonight. Ce soir, il nous interpelle. He calls us. Remettez le verset, s'il vous plaît. Put back the verse, il nous interpelle. He calls us à la repentance. To repent. Au pardon. And forgiveness. Il nous appelle. He calls us à réviser nos cœurs. And to revise our ce heart. Sont nos péchés. Our sins. Qui nous cache sa face. That, hide et l'empêche de nous écouter. And prevent him from merci beaucoup. To us. Thank you so much. Mon frère. My brother. Il y a des moments, sometimes, tu dis, you say, on dirait que Dieu ne m'entend pas. It is like God cannot hear. On dirait que Dieu ne m'écoute pas. It's like God is not listening. On dirait me. Que vraiment je ne sais pas. It seems like, quand I c'est know, comme ça, when it is like that, regarde ton cœur. Look at your heart. Regarde pas autre chose. Do not look at nothing. Regarde ton cœur. Look at your heart. Regarde ton comportement. Look at your behavior. Regarde tes attitudes. And look at your attitude. Mercredi nuit, je vous ai dit, moi when qui ai arrêté said, devant vous, me in front of you, si je pêche, if I sin, je pêche volontairement. I sin voluntarily. Toi aussi qui es assis là, if you, sitting si here, tu pêches, if you sin, tu pêches volontairement. You sin voluntarily. Ce n'est pas involontairement. It is not involuntarily, tu pêches volontairement. But you sin, à l'âge où tu es en Christ, là, the age that si you tu pêches, God, tu pêches volontairement. You sin voluntarily. Alors, so, pour aussi for you, sortir de là, to get out from there, la solution est simple. The solution is very simple, c'est de défricher le cœur. Is to empty your heart. C'est de racler. Is to empty your heart. C'est de nettoyer. Is to clean your heart. Et maintenant, tu sèmes. And you sow. Nos parents nous ont enseigné ça. Our parent, dès que la pluie us, diluvienne tombe, when the rain start, allez-y au champ.
Go to the field. On racle. You empty. On racle. You clean. On défriche. And you empty. On défriche. You empty and une clean. Fois qu'on finit de défricher, and when you're finishing empty the field, on sème. You start showing. On ne sème pas sans racler. You cannot, you know, show without first of all. Ce soir, in the land. On veut semer. We want to show. Voilà. Mais ce qu'il faut racler là, but what you c'est need ça to que l'Esprit de Dieu est en train de nous amener. And this is what the Holy Spirit is taking us to. Qu'on fasse avant de commencer à semer. So what we need to do before we start Proverbe 6, 16. Proverbe 6, 16. Nous allons voir encore quelques éléments là-bas qu'il faut racler. See some element that we need to empty, to take away. Qui n'aime pas la bénédiction? Who do not lève ta like main, on va blessing. Voir. Raise your hand. La bénédiction est conditionnée or the blessing is par ce message qui est en train d'être prêché. Through this message. Dieu, avant God, de te bénir, before he blesses you, et regarde, he est-ce que quand tu vas prendre la bénédiction, when you will take the blessing, est-ce que la bénédiction ne va pas te tuer? Will not this blessing kill you? Est-ce que la bénédiction ne va pas te donner une courte vie? The blessing will not shorten quand your vous life. Regardez dans Exode, when you look at in je ne me rappelle pas très bien du verset. I don't remember the verse il a été exactly. Dit, he said, je vais chasser peu à peu, I will keep peu away à peu, vos ennemis all your enemies, loin de vous. Far from you. Pourquoi? Why? Afin que si je chasse d'un coup so, because when I tous take vos ennemis devant vous, step, vous n'aurez en face que des animaux féroces, we will have like des lions et des ours lions qui vont vous you, dévorer, vont vous détruire. That will destroy you. Avant que Dieu before God, ne dépose la bénédiction véritable dans ta put vie, the true blessing in your dans life, ma vie, in my life, il regarde d'abord, he look at first, est-ce que tu peux gérer cette bénédiction? Can you take care of this blessing? Si tu ne peux pas gérer, if you cannot, il attend. He waits. Il patiente. He waits. Jusqu'à ce que tu sois mature. Until you get mature. Sois mûr. And be mature. Et puis il va te donner. And he will give it to you. Toi qui es assis là. You sitting here. Tu es sûr que si Dieu te donne tout de suite. Are you sure that if God 20 milliards gives de dollars. Like 20 billion tu es sûr of que tu ne vas pas mourir à 50 ans. Are you sure you will not die at 50? Est-ce que tu es mature? Are you so mature? C'est 20 milliards que tu vas prendre. This 20 billion. Tu vas prendre ça et tu vas commencer à parler mal. You will start talking bad. To your elders. Te comporter mal dans la société. And you will start behaving bad in the society. Tu vas commencer à mal te comporter vis-à-vis même de Dieu. And even in front of God, you will be not polite. Et puis, kokoroko. And then, il nous quitta. Au moment même où on avait away. Plus besoin de lui. At the time we needed him more. Voici dans l'administration, quand this on me demandait de rédiger les oraisons, les oraisons funèbres. The, me to start the mourning. Si the funeral. Tu n'as pas mis cette expression. If you do not put ton oraison funèbre là n'a pas, c'est pas bon quoi. It is not so good if you don't put this non, expression. Un collègue de service consciencieux. When like a colleague, c'était un fonctionnaire très mérité. He was so good, engagé, deserved, dévoué. He was so engaged, ayant le sens du service public. And he was so good. La déontologie de la la profession. He loved what he did. Il avait l'éthique professionnelle. He had the ethical. La probité. He was so honest. Mais c'est au moment où on avait beaucoup plus besoin de lui the qu'il time nous we quitta. Need him more, he left. Et puis ça s'arrête là-bas. And we stop there. On t'enterre, on met la terre et puis on disparaît. They bury you and then they disappear. Si ça a trop duré, trois jours après, three days later, on recrute quelqu'un, il vient s'asseoir à ta they chaise. Hire another person that will take your place. Et puis ils disent que l'administration c'est une continuité. And they said administration is like a continuity. Donc on a dit que l'administration est ingrat. Administration is a continuity. Peuple de Dieu. People of God. Peuple de Dieu. People of God. Est-ce que tu es prêt? Are you ready? Vous savez que l'onction aussi a ses conséquences. You saw the anointing has its consequences. La bénédiction aussi a ses conséquences. And blessing also has its consequences. Ce chef de l'armée. This chief of the army. Il a dit à Jésus. He said to Jesus. Dans ma maison. In my home. J'ai des serviteurs. I have servants. Quand j'ordonne. When I order them. Va. And go. Ça va. They go. Quand je dis viens, when I say come, ça vient. They come. Est-ce que tu sais que quand tu as ce pouvoir là, do you know when you have si this power, si tu n'es pas sage, if you are not wise, il y a des conséquences. There are consequences dans ce pouvoir. In this power. Les conséquences de la bénédiction. And the consequences of blessings. Si tu n'es pas sage, if you are not wise, l'onction, the anointing, de Samson, of Samson, ça a tué Samson. Will kill Samson.
So, prends l'onction. You take the anointing. N'oublie pas de prendre la sagesse. Don't forget to take also wisdom. C'est ce qui a sauvé Samuel. This is what saved Samuel. Nous allons prier pour le baptême du Saint-Esprit. We will pray for the baptism of the Holy Spirit. Tu vas recevoir. You will receive. Mais aussi, and also, n'oublie pas de demander la sagesse. Do not forget to ask for On wisdom. N'utilise pas les dons du Saint-Esprit. Do not use the gift of the Holy Spirit pour faire du désordre. And to do bad things. Hallelujah. Hallelujah. Allons-y au verset de Proverbes 6:16. Let us go to the verse of Proverbs 6:16. Il y a six choses que hait. These things that the Est-ce Lord que vous hates, savez que le mot haïr? Do you know that the word hate? Je l'ai vu deux fois ici. I saw it je twice. Hais. Et ailleurs, il a dit aussi. And somewhere else he said. Car j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. When I hate Esaü and I loved Jacob. Donc, il y a six choses que je hais. These six things the Lord hates. Et même sept. Qu'il a en horreur. Yes, haïr et him. Ce qui horrifie Dieu. Allons-y, on va voir. Let us see, we will see. Les yeux hautains. Mon frère, tes yeux. My brother, your eyes. Est-ce que c'est les yeux même qui sont hautains? Ce n'est pas les yeux qui sont hautains. It is not the high. Les yeux sont commandés par le cœur. They are led by the heart. Quand vous êtes en train de voir des yeux hautains, when you are seeing like proud eyes, c'est que dans le cœur, like quelque chose a poussé ces yeux-là pour être hautain. The eyes for them to be proud. Préparez le verset qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose au monde. Ça doit être Matthieu 15 ou bien c'est quelque chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie et de la mort. Remettez le verset s'il vous plaît. Put back the verse please. La langue menteuse. Oh, ici là. The lying tongue. Qui n'a pas encore menti une fois? Lève ta main. Who haven't lied even for once? Donc nous tous on ment quoi? We all are liars. Nous grands comme ça là, on ment. Oui, big we lie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va s'en sortir même dans l'affaire de Jésus là même? Are we sure that? We will get out of the hook in this. Parce que tout ce qu'on a cité ici là, y a pas quelqu'un qui va dire il n'est pas dedans. All that we listed here, every les yeux hautains là. Qui peut faire cet exemple? Les yeux hautains. Tu peux faire ça? Je comprends. Grâce, pas trop tu peux ça. Nous aider avec les yeux hautains là. Les Ivoiriens connaissent ça. Bon, aide-vous bien, Grâce. Aidez-nous avec des yeux hautains, on va voir. Mohamed, toi aussi tu es moitié ivoirien, non? Aidez-nous avec les yeux hautains. Quelqu'un qui est hautain. On ne peut pas Someone expliquer ça. Proud. Alléluia. La Alléluia. Langue menteuse. Or the lying tongue. C'est-à-dire, nous mentons. We lie. C'est-à-dire, volontairement, je mens. Voluntarily, I lie. C'est-à-dire, toi-même, tu mens, tu es conscient que tu mens, you mais lie. Tu mens. You are aware that you are lying, but actually, you still lie. L'Éternel hait. The Lord hates. Il hait. He hates. Tu viens d'où? Il y a des demi-mensonges et des demi-vérités. Half truth and half lie. C'est ce que la femme samaritaine a voulu faire avec Jésus. The Samaritan woman tried to do with Appelle-moi Jesus ton mari. Call me your husband. Elle dit, je n'ai pas de mari. She said, I don't have a husband. Jésus a dit, tu as dit vrai. And Jesus celui-là said, avec lequel said tu es là. The one that you are with. C'est pas ton mari. Donc ça veut dire, not your, ce qu'elle husband. A dit, elle n'a pas dit faux, elle n'a pas dit vrai. She did not lie. She did Donc not c'est comme une truth. Cheese. Donc c'est comme voleuse de mari. She is like, Donc les demi-vérités. She stole the husband. It is a half truth. Que votre oui soit oui. May your que votre yes non be yes, soit non. And your Appelle-moi be a ton no. mari. Call your husband. Je n'ai pas de mari. C'est dans I don't Jean 4. Have a husband. Jésus dit oui, tu as dit vrai. Jesus Christ said, voici yes, une demi-vérité. This is the half truth. Mon ami, tu n'as pas menti. My brother, you did mais not tu lie, n'as pas dit la vérité but aussi. You did not tell the truth. Oui. Yes. On lui pose la question avec la tête, mais avec la head. Bouche, il dit oui, mais la tête, il fait comme ça. He said yes by si the mouth. Pas, si and si he tu n'es pas un menteur professionnel, tu peux pas faire ça. Head. If you are not a professional si liar, pas essayer, you voir. Cannot do it. Please try. Yes. Te pose la question, c'est toi qui as pris ça. Are you the one that take it? Tellement que tu es embrouillé.
Quand on était petit là, you were masked. Au moment où on volait viande dans sauce là, when you take the sauce, c'est toi qui as enlevé la viande là. Are you the one that are taken the la tête the sauce? A dit non, you mais la bouche no. A dit oui. The head said no and the mouth said yes. Mi figue, mi raisin. Vous voyez? Half truth. Nous avons ce comportement. We have this behavior. Tu viens d'où? Where are you from? Je viens de la pharmacie. I'm coming from the CVS. Ton mari te pose cette question. Your husband asks this question. Les demi-vérités. A half truth. Ou ta femme te pose cette question. Or your wife asks you this question. Je viens de la pharmacie. I'm coming from the CVS. Effectivement, il est arrêté avec ibuprofène. Yes, he has ibuprofène. Ou bien Tylenol. Or je viens he du has CVS. The tablet. He's from il the est arrêté CVS. Avec Tylenol, c'est vrai. It is true. Advil est là. Tu peux pas he nier. He has Advil, yes. Yeah, il a quitté la boîte de nuit. But he came from nightclub. Il a fait crochet au CVS. He passed through the CVS. Il a payé Advil. He got the Advil. Paracetamol et il est venu à la même. Marie, tu viens d'où? Je viens de la pharmacie. I'm voici les produits. From the pharmacy. This sort demi-vérité. Of medicine. Half truth. Faut dire la vérité. Tell the truth. J'ai quitté la boîte de nuit. I'm coming from the nightclub. Au niveau du CVS. And I stopped by the CVS and I got this product. Qui n'a pas menti ce genre de mensonge? Who did qui n'a not jamais do fait? C'est-à-dire mensonge total. Mensonge partiel. Absolute. Donc tous les deux, on est dedans. And half truth. Continuons, s'il vous plaît. Let us keep forward. Les mains qui répandent le sang innocent. Les mains. The hands. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. Qui a déjà avorté dans sa vie? Who committed abortions? Levez vos mains, on va voir. Qui a déjà avorté dans raise sa your vie? Hand. Qui a déjà indexé who quelqu'un pointed out someone pour que la personne parte avorter? So the person will go and commit abortion. Tu n'es pas allé, mais tu l'as indiqué, indexé la you vieille du village ou le gynécologue ou la clinique là où on avorte là. The hospital ton where doigt, he ton can doigt ça l'a indexé. Abortion. You use your finger to show the place. Peuple de Dieu. People of God. Nos mains. Our hands. On répand le sang innocent. Repent the innocent blood. Tu es impliqué même si ton doigt a indexé. You are implied even you pointed out. Donc tu es avorteur aussi. You are you committed abortion. Ce bébé qu'on also va aller interrompre la vie. The people that they will faire sortir et couler le sang. And took ces mêmes sangs là vont tacheter tes mains. All these blood. Même si tu es resté ici aux États-Unis puis indexé au Togo, au Ghana, au Burkina, even you stay here, ça va you do te mouiller. For Burkina Faso or Togo. Nos mains qui répandent le sang innocent. All hands that shred the qui a déjà blood. Tué son frère dans son cœur. Who killed lève his ta main. In his heart. Raise your hand. Comme les grands frères de Joseph. As the voici le revers qui vient. Joseph. Qu'allons-nous faire? What will we venons, do about tuons-le. Kill him. Qui a déjà tué son frère dans son cœur? Who killed his brother in his heart? Il dit, tu le hais, tu le détestes, you tu ne le pardonnes pas, tu l'enfermes dans ton cœur. Pendant un him. Mois, deux mois, trois and mois, tu ne le fais pas sortir. Tu l'as tué. You killed him. La parole de Dieu dit, oh, the word of God said, tes mains ont répandu des sangs innocents. Your hand shred innocent blood. Le frère, il est vivant, il marche, the tu le vois. Alive. Mais à tel point que tu le hais, tu ne l'aimes pas, tu le détestes, the dans ton cœur, tu l'as tué. You killed him. Peuple de Dieu, people of God. Regardons-nous, regardons nos cœurs. Our hearts. Regarde ton comportement. Look at your behavior. Allons-y, on va voir. Go, and we will see. Le cœur qui médite des projets iniques. C'est ça là. This is what, avant d'aller voler, il faut you s'asseoir, go to steal, planifier. You have to plan ahead of time. Avant de mentir, before you lie, il faut penser, il faut you planifier. Have to think and to planify. Avant d'aller tromper ton mari before ou ta you femme, go and cheat, il faut planifier. Ça veut dire il faut méditer dans le cœur d'abord. Il n'y a pas un péché first. Qu'on fait there is not a sans avoir au préalable, before, à l'avance, before méditer. Time. Il n'y en a pas. There is not. Ça veut dire pendant que tu médites là, the time you think about tu es déjà it, conscient que c'est péché. You are aware that le Saint-Esprit qui est à côté de toi, et hey, mon frère, next to you ne say, fais pas, do not ne do va this. Pas, do not ne go. Fais pas. Don't tu go. Fermes les yeux, and you tu fonces. Your eyes. Tu fonces you go, et tu fais. And you do c'est it. Ça, j'ai dit. That's si I nous said, péchons, if we nous sin, péchons volontairement. We sin voluntarily.
Ne discutons pas là-dessus. Do not debate about that. Non, je n'ai pas su. Non, j'ai su. Je pensais que, je croyais que, j'avais cru que. Voici ce qu'on utilise. This is what je me disais que, allons-y. I was thinking about. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Mon frère. My brother. Ton pied t'amène où? Where is your feet taking you to? Tes deux pieds qu'on a donné pour annoncer l'évangile de your paix. Your two feet given to you to announce the evangel. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Les chaussures. The shoes. Pour zèle, pour annoncer l'évangile de paix. To announce. Toi, peace, tu prends tes deux pieds là. Peace, tu use vas them. Où? Where pour aller annoncer with? Quoi? To announce what? Aujourd'hui, nos pieds today, we use sont devenus nos téléphones. Our, phones. Tu utilises ton téléphone. You use your phone. Tu marches dans la maison du prochain. And you go to the house of the other. Et tu repens. And you repent. La division. You expect tu repens. Division. And you expect l'évangile de bagarre. Evangel of tu repens. You spread. Ce qui va détruire what will cette destroy? Personne ou ce frère. This brother or this sister. Allons-y. Let us go. Le faux témoin qui dit des mensonges. Ça là. A false witness will speak le faux lies. Témoin là. A false witness. Ne vous amusez pas avec ça. Do not play with et that. Celui qui excite des querelles entre frères. The will show discord among brothers. Le faux témoin. The false witness. Même en justice. Even in justice. La loi condamne avec law, la dernière énergie the le faux témoin. The false witness. Qui a vu? Moi. Vient témoigner. Il vient, il n'a rien vu. On l'a payé avec 1 million. Vient faire un faux témoignage contre le frère. Le frère est arrêté. Il est innocent. Il n'a rien fait. Tu viens. Tu dis tu as vu. Tu es témoin. Parce que l'autre accusé t'a donné 1 million. Tu viens témoigner faux témoignage contre l'autre. Mon ami. Jusqu'à la énième génération, the malédiction de Dieu là, ça ne va pas quitter. The anger, the wrath of God will always stay. Faites beaucoup attention. Be careful. Si tu n'as pas vu, if you did not tais-toi. See, shut your mouth. La parole de Dieu dit, the word of God said, ne faites pas sortir des accusations contre un ancien. Do not accuse an old. Si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. And at least there are at least three to sinon, three witnesses. Voici ton caca. If not, this is the moi qui est pasteur qui est arrêté là. Me, as a pastor, les anciens de l'église là. The elder la of the Bible church, a dit. The Bible said, c'est dans 1 Timothée. It is in faut first que je Timothée. Lise ça pour qu'on ne pense pas que. 1 Timothée like 5, so projetez ça pour que tout le monde voit. Please, project that. Verset 19. Verse 19. Timothée 5, 19. Ne reçois point d'accusation contre un ancien against an elder, si ce n'est sur la déposition de deux from who, ou de or trois témoins. Or three witnesses. Même si c'est un témoin là, even faut pas croire à ça. Do not believe. Même si c'est deux témoins, even two, faut pas croire à ça. Do not believe. Si c'est jusqu'à trois, if it is three, tu peux recevoir l'accusation. You can receive the accusation. Pasteur qui arrête, même s'il pastor, a 10 ans, if in, il a 10 même years, s'il a 11 ans comme Jérémie, as Jeremiah, et il est homme de Dieu, and he's a man of God, mon ami ne t'amuse brother, pas. Do not play on l'a accusé qu'il a fait he ça. Was accused to do tous this and ceux this. All, à Silver Spring que je connais, that in Silver Spring qui m'ont that I know, accusé avec mon Dieu, that accused me with dans my ma God, famille, in my family, depuis mon enfance, since I'm a babe, jusqu'à l'heure où je suis, and until qui today, m'ont accusé avec mon Dieu, who accused me leur with vie my God, n'est que catastrophe et misère, their life catastrophe is et misère, ruine et destruction, ruine et destruction. Ne vous amusez pas. Do not play. Si tu n'as pas vu, if you did si not see, tu n'as pas été témoin, if you are not a witness, ne recevez pas et n'acceptez pas des accusations accusation sur vos pasteurs. Against your pastor. Ne vous amusez pas. Don't joke with that. Le loin de l'Éternel, the anointed of on God, ne touche pas. Do not touch. David a dit, David said, loin de moi de toucher loin de l'Éternel. I am playing, même I am malgré que to touch la royauté avait été retirée à Saül, even the kingship, on ne touche pas. Do not touch Saül. Do not touch.
Peuple de Dieu, people of God, les fidèles sont les premiers members of the church, they are the à répandre les fausses calomnies sur leur pasteur. Against their pastor. Il n'y a pas un meilleur reproducteur there de mauvaises calomnies no plus que les membres de la même église du même pasteur. Than, like, the member of the same congregation. Tournez dans tout le monde entier. Go everywhere in the world. C'est la même chose. It is the same. Même pipe, même tabac. Same thing. Le faux témoignage. All false witnesses. Tu sors, tu arrives à quelque part. You go somewhere. On parle mal de ton pasteur. They speak dearly about dès your qu'il pastor. A saisi, when he grabs c'est it, lui qui devient l'élément multiplicateur. He will be the one that will spread it. Tu as pris la nouvelle. Did you hear? Paraît-il que le pasteur a fait ça. It is like the pastor did this, this, and did this. Lui aussi. Et puis dit, ne dis pas à quelqu'un. Do not say that to someone. Fred, il va en France. Il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est ça qu'ils vont faire. They will do this, like the song said. Il n'y a pas un meilleur. There is not a best. Reproducteur. The one that spread. Des calomnies et des accusations. Of accusations. En dehors des membres du même église, du même pasteur. Than the same congregations. Dès qu'il a entendu. When he hear. Au lieu de prendre ça. Instead of taking it. Avec sagesse, with wisdom, avec réellement attention, and with, you know, que ça soit vrai ou que ça soit faux, either is true or false, il devient un faux témoin. He will become a false witness. Faites attention à vos bouches, be careful about à your vos mouth, langues. Your tongues. Moi qui ai arrêté, me here, depuis le début jusque là, since the beginning, si je vais here, vous compter les accusations, if I will try to list all the accusations, salir ma réputation, defiling my reputation, je les ai notées. Tous ceux, et ça parvient à mon oreille. And those who did it, j'ai un cahier et puis je note. I have a book, et je les observe seulement. And I observe them. Tant qu'on est vivant, as long as we are alive, vos fausses accusations, your false si Dieu est vraiment vrai, if God is true, que ce soit dans ma famille, even in my family, que ce soit dans l'exercice du ministère de Dieu, in this ministry, ton accusation, your accusation, ton faux témoignage, your là, false testimony, tu vas prendre ça, you will take les it. Conséquences, you will take the consequences, toi et tes enfants. You and your children. C'est dans la parole de Dieu. It is in the word of God. Un accusateur, the one who accuse, un comploteur, the one who complote, sa vie finit toujours par une fosse au lion. Il n'y a pas de midi 14. His life will always faites attention à vos vies. Be careful about your lives. Faites attention. Be careful. Si tes yeux n'ont pas vu, if your eyes did not see, si tu n'as pas été témoin oculaire, if you auditif, are not the ferme one who ta sees, bouche. Close your mouth. Parce que because le jour the day, où Daniel l'accusait like, va sortir de la fosse au lion à cause de ton accusation, à cause de ta langue, le tongue, jour où il va sortir, c'est le même jour toi tu vas rentrer the same day you will go in the den of the lions. C'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas pasteur Azaï qui maudit quelqu'un. Pastor, c'est dans la parole it de Dieu. In the word of God. Regarde comment tu as accusé you Daniel. You accuse Daniel. Regarde comment tu as fait des faux témoignages look sur ton Daniel. Tu penses que ton Daniel, Daniel, Dieu va le laisser là-bas. You think that your Daniel, Dieu va le faire there. Sortir God tôt ou tard. Take him or no, even later. Même si c'est 10 ans. Even 10 years. Ton Daniel que tu as accusé, your là, Daniel that il va sortir. Le faux témoignage a envoyé Daniel en prison. Envoyez ton Daniel dans le cachot. Your Daniel to the le jour où la vérité va s'éclater et Daniel va sortir, Daniel mon frère, my brother, tu vas terminer là-bas. You will go in. Et tu sais qu'il y a des lions dedans. And you know, lion is c'est pour in. Cela que la Bible dit that's what the Bible said. Je hais I hate le faux témoin. The false Dieu witness. Haït God le faux témoin, the false witness. Les accusations, accusations, ça peut tuer quelqu'un. You can kill someone. Tes mains sont blanches. Your tu n'as pas white. Fait. You did not on do t'a accusé pour they de rien. Accuse you for nothing. La personne qui a reçu l'accusation, the one that received s'il n'est pas fort, if is not strong, il y en a même qui peuvent se donner la mort. Some people can suicide. On a accusé suicide. D'autres comme ça dans nos familles. They have, accused et on les a family. Bannis de la famille. And they were, you know, et ils sont allés se pendre. They went and they hang et vous up. Allez voir que dans la famille de celui qui les a accusés, and the one who, il y a l'esprit de pendaison them, qui sort maintenant. Of année en année. Année après année. Here and here. Ils l'enlèvent un là-bas. And they take one l'enlèvent un. By one. Vous allez prier.
you pendant will pray. Génération sur génération. Generation tant generation. Que le Saint-Esprit ne vous révèle as pas, the Holy Spirit il y a de cela 95 ans, like 95 ton arrière-grand-père avait menti sur quelqu'un did lie against someone. Qu'il a couché avec la femme de la famille that he cheated with the wife et on l'a banni publiquement and he would et ce monsieur allait se pendre. And he went to hang c'est à partir de là from there, que l'esprit de pendaison est venu dans la famille de ton arrière-grand-père. Come to the family. Et chez vous, chaque année, il y a and pendaison. Every year, someone on ne comprend rien, il y a pendaison. Suicide, on ne comprend rien, il y a pendaison. Anytime there is hang, false accusation. False witness. Peuple de Dieu, people of God, regarde ta bouche. Look at your mouth. Regarde ta vie. Look at your regarde life. Ton comportement. Look at your behavior. Regarde tes agissements. Look at the way you l'Esprit act. De Dieu est en train de nous faire du bien ce soir. The Holy Spirit is doing good to us tonight. Vous n'aimez pas ce genre de message. You do not like this kind of message. Mais c'est ça le socle. This is the du christianisme. Le message de la repentance. The word of repentance. Acclamons pour le Seigneur. Let us acclaim for the Lord. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Stand up, please. Oh mon Dieu, mets un cœur pur en moi. Hallelujah. Préparez vos cœurs, oh s'il vous plaît. Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh mon Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Nous allons prendre une à deux minutes. Chacun va rentrer en lui. Un regard rétrospectif.
un regard rétrospectif. Regarde dans le rétroviseur de ta vie. Nous avons vu au moyen de la parole de Dieu la repentance. Nous avons vu, Ézéchias a dit qu'il faut jeter dehors. Il faut jeter dehors. Qu'est-ce qu'il y a à jeter? Fermez vos yeux, s'il vous plaît. Baissez vos têtes. Ne regardez plus ici. Look at here. Parce que c'est un moment où tu dois rentrer en toi. It is a time that you should get inside of yourself. Révise ton comportement. Try to revise all your behaviors. Dans la semaine. During the week. Il y a de cela un mois. Like a month ago. Est-ce que quelque chose n'a pas cloché? Did not do something bad. Alléluia. Alléluia. Celui qui peut s'agenouiller peut s'agenouiller. Those who want to kneel down, or you can bow down, kneel down. Et nous allons demander pardon pour nos péchés. And we will ask for the forgiveness of our sins. Nous allons dire. Jésus, par ton sang précieux, we'll say, Jesus Christ, through your precious blood, enlève mon iniquité. Take away my iniquities. Regarde-moi du haut des cieux. Look at from the heaven. Chacun va prier. Everyone will, each of us will pray. Et demander à son Dieu. And ask his God. De le pardonner. Vous pouvez vous asseoir. You can have a seat. Celui qui peut s'agenouiller peut s'agenouiller. Those who can kneel, you can kneel. Sentez-vous libre. Be free. Ayez une attitude qui ne va pas vous fatiguer. Take a position that will not exhaust you. Ne vous gênez pas. Do not feel complex. L'essentiel, c'est le cœur. The big thing is the heart. Ce n'est pas la position qui compte. It is not a position that matters. Tu peux t'arrêter. You can stand. Et puis bien ouvrir ton cœur. And open widely your heart. Tout comme tu peux t'agenouiller. You can kneel down. Et refuser d'ouvrir ton cœur. And refuse to open your heart. Couché ou assis, lie down, ou, or sitting, debout, ou, or standing up, quelle que soit ta position, no matter the position you take, c'est la position du cœur qu'on veut. It's the position of the heart that matters.
En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Hébreux chapitre 5, versets 1 à 4. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens humblement devant toi. Seigneur, ce n'est pas parce que je mérite, ce n'est pas parce que je suis digne, ce n'est pas parce que je suis saint, ce n'est pas parce que je suis parfait. Seulement, c'est Jésus seul qui est l'homme parfait. C'est Jésus-Christ seul qui n'a point de comparable. Je viens à toi, Seigneur, pour te demander pardon pour mes propres péchés, te demander pardon pour mes mauvais comportements. Seigneur Jésus, la haine, les jalousies, les rancœurs, les non-pardons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout péché, Seigneur, de convoitise, d'envie, tout péché d'impureté, souillure, Seigneur, je te prie de me pardonner. Tu m'as dit de ne pas juger, j'ai jugé. Tu m'as dit de ne pas condamner, j'ai condamné. Tu m'as dit de ne pas voir la paille qui se trouve dans l'œil de mon prochain, mais j'ai fait cela en laissant la poutre qui est dans mon œil. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi grâce ce soir, purifie-moi, sanctifie-moi. Seigneur, mon Dieu, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, les pieds qui courent au mal, le cœur qui projette des projets maléfiques, les faux témoignages et les frères qui excitent querelles entre frères. Seigneur, je te prie, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, tu as dit que moi-même, je dois le faire parce que je ne suis pas digne. Seigneur, avant de procéder au sacrifice de repentance pour ton peuple, je me tiens devant ton autel de grâce. Je me tiens devant, Seigneur, ta présence et je lève mes mains vers toi pour implorer, Seigneur, ta grâce, pour implorer ton pardon, pour implorer, Seigneur, Père éternel, ta pitié pour chacun de nous, tous les membres de l'Église, présents ou absents. C'est le moment où, Seigneur, nous voulons jeter hors de nos cœurs, hors de nos temples, Seigneur, les impuretés, les souillures, les péchés de tout genre. Je te prie, Seigneur, c'est le temps que je me tiens dans ta présence pour défricher, pour racler. Père, que le cœur qui est ouvert en ce moment, Seigneur, Esprit Saint, touche, échange et transforme pour la gloire de ton Saint Nom. Tendre Père, je t'en prie, s'il te plaît, pardonne ton Église, pardonne ton enfant, pardonne par ton sang. Seul le sang de Jésus-Christ ôte le péché de l'humanité. Ta parole nous a dit dans Romains 8, 6, 9, que le sang de Jésus-Christ qui purifie, c'est le sang de Jésus-Christ qui sauve. J'applique le sang de Jésus dans nos vies et je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ dans la vie de ton Église, Penuel International Church, Giza Save. Viens maintenant, Saint-Esprit, viens maintenant, Dieu vivant. Rends-nous, Seigneur, libres, jette dans le puits de l'oubli nos manquements. Ton peuple en ce moment, agenouillé, affaissant leur cœur, Seigneur, fléchissant genoux et fléchissant leur cœur, Seigneur, viens vers toi pour la repentance. Pour demander, Seigneur, que tu pardonnes. 1 Jean 1, 8, 9, tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle de nous les pardonner. Je confesse, Seigneur, les péchés de l'Église. Je confesse les péchés des membres, Seigneur. Péché, Seigneur, d'impureté, d'impudicité. Péché d'adultère, péché de vol, de mensonge, de haine, de jalousie. Péché, Seigneur, Père, de colère, péché d'hypocrisie. Péché, Seigneur, Père éternel. Oh, de meurtre, je t'en prie, pardonne chacun de nous, s'il te plaît. Oh, Seigneur Jésus, tu ne te souviens plus quand tu jettes dans le puits de l'oubli. Fais-le pour la grâce et pour la gloire de ton Saint-Nom. Fais-le par grâce, s'il te plaît, Dieu vivant. Je t'en prie, laisse-nous libres maintenant afin que nous puissions avoir l'accès libre à toi. Tu as dit que c'est le péché qui met une séparation. Mais le sang de Jésus-Christ est la solution qui brise cette barrière. Que le sang de Jésus brise la barrière.
Que le sang de Jésus fait tomber cette barrière, ce mur qui nous empêche de te parler ce soir. Seigneur, Saint-Esprit, vois nos cœurs et manifeste-toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous tenir debout? We can stand up. Alléluia. Alléluia. Aidez-nous avec ce chant, Jésus, par ton sang précieux, enlevez mon iniquité. Amen. Exercez-le avec tout votre cœur. Practice et it réellement. With your heart. C'est alléluia. Allez-y. Jésus, par ton sang précieux, enlève. Quand j'ai compris
la mer. Alléluia. Nous avons élevé la voix pour dire merci au Seigneur de nous avoir lavé par le sang de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as fait pour moi. Merci d'ôter le péché de ma vie. Merci de m'avoir purifié. Merci, Seigneur, de m'avoir pardonné. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je t'ai ouvert mon cœur. Seigneur Jésus, le sang de Jésus m'a ôté le péché. Le sang de Jésus l'a lavé ma vie. Merci pour le pardon. Merci pour cette joie. Merci Seigneur Père, nous avoir libérés, nous avoir délivrés, nous avoir Seigneur rendu pur. Seigneur, merci d'avoir mis un cœur pur en nous, un esprit pur en nous, un esprit renouvelé, un esprit bien disposé. Merci Saint-Esprit, nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons le Saint-Esprit, acclamons pour le pardon reçu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes prêts maintenant. We are ready. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Tu es prêt maintenant. You are ready. Je suis prêt maintenant. I'm ready. Cette joie que tu as reçue, this joy you receive, pendant ce moment que tu chantes, during, the time you c'est sing, cette joie qui est le signe qui montre que tu as été pardonné. That you have been pendant le moment du chant, during the time of pendant ce moment sing, où on chantait, while we were il y a une joie inexprimable qui me pénétrait. That was getting in si me. Toi aussi tu as vu cette joie, if you got this joy, ça veut dire que Dieu t'a pardonné. It means God ça veut dire que Dieu a jeté dans le puits de l'oubli. You have been forgiven. Ne t'auto-accuse plus. Do not, accuse yourself. Ne t'auto-flagelle plus. Do not accuse yourself. L'esprit de culpabilité, the spirit of ne le laisse plus te parler. Do not let his non. Speak to you. No. Ne le laisse plus te dire. Don't let him tell que tu you. Penses que Dieu t'a pardonné. Do you think that God forgive tu as fait ça là, tu penses que Dieu t'a pardonné. Rejette-le you. Au nom de Jésus. Reject that in le name diable of est l'accusateur God. Des frères. He is the accusator. Le sang de Jésus-Christ m'a ôté le péché. Has taken all le sang de Jésus m'a lavé et mon cœur est prêt pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Nous allons parler en quelques minutes et nous allons prier pour demander à Dieu. Nous avons besoin que tu nous remplis. Fill me again. Fill me again. Je vais demander au groupe musical de se préparer pendant la prière. Vous allez nous conduire dans des moments de chant d'adoration qui nous amènent à la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et nous allons chanter, nous allons prier, we will pray, demander à l'Éternel de visiter nos cœurs, visit de remplir nos vies, and to fill our que nos cœurs our heart soient encore renouvelés, renewed, que nous puissions encore avoir du jus nouveau we have a new life, pour être relancés, and to be un départ nouveau. Like a new peuple star, de Dieu, people of God, je ne déteste pas quelqu'un qui tombe. I don't hate someone who falls. Je déteste seulement quelqu'un qui tombe et qui refuse de se lever. And refuse to stand up. Dieu aussi n'aime pas quelqu'un qui tombe God do not, et qui refuse de se relever. The one who falls mon frère, to stand up. Nous tous nous tombons, God, we've all fall. Mais nous tous ne nous relevons pas. Not everyone soit parmi stand de ceux qui se relèvent quand ils tombent. Relèvez-vous, mes frères. Relève-toi, ma soeur. C'est pas trop tard. It is not too late. Tu peux te relever. You can, tu can peux réorganiser ta vie. You can stand tu peux marcher à nouveau avec you ton Dieu. Again. Tu peux encore renouer. You can renew. Tant que tu es vivant, as long as you tu are peux alive, te rattraper. You can catch mon frère, brother, Dieu t'attend. God relève-toi. Stand up. Le baptême du Saint-Esprit. The baptism of the Holy Spirit. Parlons du baptême du Saint-Esprit. About the baptism of Holy Spirit, nous allons introduire avec quelques baptêmes. 1 Corinthiens chapitre 10. Nous voyons que la Bible nous parle de différents baptêmes. Speak about a different type of baptism. Et nous allons les voir de façon rapide. We will just see them quickly. Et nous allons y arriver. And I'm sure we will au baptême to the baptism que Jésus-Christ est venu pour faire. That Jesus Christ c'est ça que nous voulons. To do. C'est le meilleur et c'est l'excellent. It is the best, 1 Corinthiens 10, 1er. Ça parle du baptême de Moïse. It talks about the baptism of Moses. Baptême d'eau. Baptism of baptême water. Par le nuée. Par la nuée.
baptême de Moïse. Si vous Moses. Y êtes, nous lisons la If parole de Dieu. There, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Peuple de Dieu, le baptême de Moïse. The baptism of Moses. Oui, Moïse, yes. Après la délivrance du Moses peuple d'Israël, processus direction, terre promise. Ils sont arrivés land. À un moment donné où ils land. Ont besoin de la présence de Dieu that they need the presence qui of se manifestait le jour the day, par la nuée through the cloud, et la nuit and the night, par une colonne de feu. By a fire. C'est dans Exode chapitre 13, 21 à 22. Quand ils sont sortis, when they came out, la nuée les couvrait. The cloud was covering la nuée les protégeait. The cloud was protecting, la nuée protecting était them. Là la journée. The cloud was there mon frère, the day. C'était des représentations. They were like the symbols. Ce que nous voyons aujourd'hui, what we see nowadays, que cela nous servisse d'exemple. It is to serve as an example. La nuée les a accompagnés. The cloud takes jour them, day, et la nuit, and the night, une colonne de feu. The column of fire. Ça symbolisait la présence du Saint-Esprit. The presence of the Holy Même Spirit. Dans le temps de Moïse, even the time of Moses, le Saint-Esprit était là, the Holy Spirit sous une autre there, forme. In another parce form. Qu'il ne pouvait pas marcher but he couldn't jusqu'à Cana until sans être conduit without being par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Moi et toi, you and I, ou toi et moi en bon français, friends, nous ne pouvons pas aller we cannot go dans notre terre promise sans la présence du Saint-Esprit, sans être conduit de jour tout comme de nuit par le Saint-Esprit. Il ne faut même pas essayer. Si tu es chrétien, tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Le baptême de Moïse. Moïse, ce monsieur le plus Moïse, l'homme le plus patient de la terre, l'homme des miracles vertigineux, l'homme par lequel les 10 plaies ont frappé l'Égypte, l'homme qui tend le bâton et la mer où se fend, l'homme qui a vaincu Amalek, l'homme qui lève la main et Josué remporte la victoire dans the la one vallée. Who lift the hand and Joseph has victory. Il s'agit de Moïse. It is Moses. Moïse, l'homme des 10 commandements. Moses, the man of 10 commandments. Moïse, l'homme de jeûne, 40 jours, 40 nuits. 40 days, night and day. Moïse, l'homme du serpent des reins. The one of the serpent. Moïse, l'homme intouchable. The one that is not Myriam et Aaron ont critiqué un peu, on les a frappés de lèpre. Moïse, l'homme intouchable. He was untouchable. L'homme dont Corée, Dathan et Abiram ont essayé de titiller. They tried him. Il a parlé, la terre s'est ouverte et les a avalés. Moïse, l'homme qui parle et le ciel pleut manger. And there is food that Moïse, Moses, l'homme qui parle the one who speaks, et l'eau sort du rocher. And the water come from the rock. Paul vient nous dire dans 1 Corinthiens 10 in Corinthians, que Moïse Moses avait son baptême. Have his baptism. Ce que nos grands-parents, nos aïeux, what our great parents, dans le temps, in the past, ont été baptisés were baptized à travers la mer rouge the sea, et la the nuit, red sea, and le the baptême cloud, d'eau. The baptism by water. Peuple de Dieu, people of God, le baptême d'eau, the baptism by water, c'est l'introduction, it is introduction, c'est le début it is the beginning, pour arriver and to go, au baptême de Jésus-Christ. To reach out to the baptism c'est difficile, of Jesus Christ. It is difficult. Sauf des cas exceptionnels, unless très rares, very rare, c'est difficile it is very de voir quelqu'un to see someone qui est rempli du Saint-Esprit that was filled by the Holy parlant Spirit en de nouvelles langues and speak a new tongue, sans être passé without by first, par Romains 10,
19, 10. Romains 19, 10. 10, 9, 10. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. You will be saved. Si tu ne passes pas par là-bas, if you don't go through ensuite, this, Matthieu 28, 19, 20. Matthew 28, 19, enseignez-les. 20. Teach them. Faites de toutes les nations mes disciples. Make them all my disciples. Prêchez-les l'évangile. Or preach them the evangel. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And baptize them in the en name passant of the par là-bas, Father, through tu that, parviens maintenant you can au reach baptême de Jésus-Christ. Of the baptism of Jesus Christ. Peuple de Dieu, people of God, là où nous sommes, where we are, sont en train de savoir we, que le baptême d'eau, that the baptism of water, c'est l'introduction. It is the introduction. C'est le respect et l'obéissance is a respect and obedience que tu dois faire that you should do pour pouvoir to, atteindre le baptême du Saint-Esprit. The baptism of the Holy 1 Pierre chapitre 3, 20 à 21. 1 Pierre chapitre 3, chapitre 3. Nous allons voir we will see le but de cette les effets de cette baptême d'eau dans nos vies. The effect of this baptism by water in our lives. 1 Pierre chapitre 3 when, verset 20 à 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Hallelujah. Pour comprendre bien le verset, il faut commencer au verset 18. To be able to truly understand the verse. Qui autrefois avait été incrédule, on commence pas une phrase par qui. Donc pour cela, je dis commencer au verset 18. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. Verset 21. Cette verse eau 21. Était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le baptême d'eau. The baptism est-ce que le baptême d'eau sauve? Is this saving? Est-ce que le baptême d'eau ôte le péché? Is the baptism non, mon frère. The sin? No, nous tous brother, qui sommes baptisés, we here la parole de Dieu nous dit, the word of God said, le baptême d'eau, the baptism by water, il a pour mission, as for, like a goal, pour la purification des souillures du corps. To purify pas cette mission. The impurity of the body. Mais plutôt la mission. But the mission. C'est pour l'engagement d'une bonne conscience. It is for the engagement of envers a good Dieu. Awareness. La conscience. Being aware. Le baptême d'eau. The baptism est en train of d'engager une bonne conscience en toi. Starting envers a good Dieu. Conscience, donc, ça veut dire, tu commences, ta conscience doit être purifiée à partir de là-bas. Your conscience starting to be, your mind starting to be Hébreux 10, 22. Purified. Projetez ça, s'il vous plaît. Project tant please, que ta conscience as long as your, ne te libère pas, do not free you, tant que ta conscience as long as your mind te reproche, judge cherchez aussi le verset qui dit, si ta conscience te condamne, si toi-même ta conscience te condamne, qu'est-ce qu'on peut faire? Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est très, très dangereux. It is very dangerous. Le baptême d'eau vient pour traiter ta conscience que tu as en toi. The baptism of water comes to treat ton âme et ton cœur qui est à l'intérieur. Et le corps lavé d'une eau pure. Mon frère. My brother. Est-ce que ta conscience ne te travaille pas sur certains points? Is your conscience working upon you tonight? La vie, c'est une question de conscience. The life is about a conscience. Ma conscience. My conscience. Il y a des moments ma conscience me gronde. Sometimes my conscience. Il y a des moments ma conscience ne me gronde pas. Sometimes it doesn't. Mon frère. My brother. Il y a des moments ta conscience te gronde. Sometimes your le baptême d'eau. The vous avez retrouvé le verset? Did you find the verse? Si votre conscience vous condamne, si votre if your cœur conscience te condamne, judge you, dites haut et fort. Say loudly. 1 Jean 3, 20.
1 Jean 3:20. Si ton propre cœur là te condamne. If your own heart condemned you. Qu'est-ce que nous on peut faire? What can we do? Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Il y a des moments où notre cœur nous condamne. Sometimes our heart condemns us. Notre conscience nous condamne. Donc le baptême te vient pour préparer ta conscience. Come to make pour your préparer ma conscience. And to prepare c'est pour cela conscience. Jean-Baptiste, il a fait l'œuvre de tous les hommes nés d'une femme. He made the work, il a fait l'œuvre le plus grand. The greater Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Celui qui mangeait miel et puis sauterelle the one that was dans le désert de Judée. Honey. C'est lui he was the one qui a fait l'œuvre précurseur. That achieved Jean-Baptiste work. Est venu faire l'œuvre de la repentance. He came to and accomplished the work of repentance. Après le baptême de Moïse, after the baptism of Moses, on voit deuxième baptême, the second le one, baptême de Jean-Baptiste. The baptism of Jean-Baptiste. C'est bien vrai que la parole de Dieu a mentionné like the word of God mentioned, au verset 20 in the verse 20, que de l'arche de Noé, the ark of Noah, il y a eu 8 personnes qui sont sorties. 8 persons were saved. Donc d'autres théologiens disent qu'il y a baptême de Noé. Some of the theologians said that were si on l'ajoute, if we il y a baptême de Moïse, baptism of Moses, baptême de Noé, of, and Noah, baptême de Jean-Baptiste, and baptism of et baptême de Jésus-Christ. And finally, the baptism ce soir, of Jesus notre Christ. Thème là, tonight, our topic, Jésus-Christ, Jesus Christ. Baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise me by the Holy Alléluia. Spirit. Alléluia. Baptise-moi du Saint-Esprit. Baptise me by the Holy Matthieu 3, 11 à 16. Matthew 3. Nous allons voir le baptême de Jean-Baptiste. We will look at the baptism of Jean-Baptiste. Le baptême ne ôte pas le péché. The baptism is not taking away the sin. Faisons attention. Be careful. Matthieu 3, 11 à 16. Matthew 3, 11 to 16. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il a à son vin à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le baptême de la repentance est le baptême précurseur au baptême du Saint-Esprit. Nous venons de faire, nous avons pris une heure pour faire le baptême de la repentance ce soir. Depuis le message a commencé, avant que je ne rentre maintenant au baptême du Saint-Esprit, nous avons fait d'abord le baptême de la repentance. Prêcher la parole de la repentance. L'évangile de la repentance. Le Saint-Esprit a touché ton cœur et a touché mon cœur. Il a dit que maintenant je suis prêt. It means that dès qu'on va commencer la prière, when we'll start the prayer, il n'y a pas de raison que le Saint-Esprit ne se manifeste pas. No reason for the Holy Spirit parce que le terrain est propice. Because the field is empty. S'il vous plaît, ne sortez pas hors de l'église en esprit do ou en pensée. Leave this church by spirit. Restez dans la présence de Dieu. Stay in the presence of the Lord. Le baptême de Jean the baptism of ne donne pas accès au royaume de Dieu. Did not give you the right to the non. Heaven. Le baptême de Jean, the baptism c'est of seulement John. Le baptême de la repentance. It is only the baptism of repentance. Le baptême de Jean, the baptism c'est établir une bonne conscience avec Dieu. Is for you to have a good conscience with God. Le baptême d'eau the baptism n'enlève of pas le péché de quelqu'un. Is not taking away your sin. Si tu aimais l'alcool, if you drink, dès que tu sors après le baptême d'eau, after the baptism of, with water, l'alcool là est toujours calé. Hein. You will always keep si drinking. Tu mentais, if you si were tu lying, volais, if you was, si, quel que soit le péché, no matter the sin, dès que tu sors, when you leave, la nature du péché ne te quitte pas. The nature of the sin do not, doesn't leave you. Le baptême d'eau the baptism by, with ne water, donne pas une délivrance. Does not, provide you with deliverance. Mais si j'étais possédé par un démon, if I was dès que je reçois le baptême d'eau, je suis délivré. Is not, automatically when I non, receive, no. Mais une bonne conscience, a good conscience envers Dieu. Toward God. Dès que tu sors du baptême, du when, baptistère, when we, you leave it,
Tu as cette sensation we have this feeling d'être en paix avec Dieu. And to be in peace with God. C'est cette bonne conscience. This is this si good ton cœur ne te reproche pas, if your heart doesn't, dès que tu sors condemn you, du baptistère, when you leave, tu es en paix avec Dieu. You are c'est ça que in tu peace sens. With God. La bonne conscience. This is what le you cœur feel est purifié conscience. D'une mauvaise conscience. So you have, your heart is taken from bad Jean a conscience. Dit que je vous baptise d'eau. John Baptist said, I baptize pour you vous envoyer à la repentance. And to take you on to repentance. Répentez-vous. Repent yourself. Car le royaume des cieux est proche. Because the heaven is near. Lavez-vous. Wash yourself. Car il y a un mariage. Because there is a wedding. Ça veut dire quoi? What does it mean? Elle va dire quand tu vas te laver que when forcément you will wash like tu vas aller au mariage. Automatically will go to lave-toi. The wedding. Wash yourself. Il y a anniversaire. There is like an anniversary. Mais tu vas pas aller à l'anniversaire. You will not go to the birthday. Donc tu te prépares d'abord. Que tu vas aller à l'anniversaire ou pas, lave-toi. Wash yourself, no matter if you will go to the birthday or not. Je sais pas si vous m'avez saisi. I don't know if you get what I mean. Parabole des 10 vierges. And the parable of 10 of virgins. C'est une question d'attendre l'époux. It is a matter of le baptême te prépare à l'attente de l'époux. Make you ready ce to que wait nous for venons de faire, what we just did, c'est pour te préparer is to make à l'attente du Saint-Esprit. And to wait for the Holy Spirit. Donc, quand on va commencer la prière, when will you start the prayer, l'époux est là. The spouse is allez à sa rencontre. Go and meet le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit allez is à sa rencontre. Go and meet him. Et tu rentres avec des dons and à you, la maison. You go back home with ça dépend de toi. It depends on you. C'est à l'avance avant l'arrivée de l'époux. It is before the arrival of the spouse. Celui qui est dans la dimension de la repentance, il est à l'image de ces 10 vierges qui attendaient l'époux. At the image of these 10 virgins. Toi, tu es dans la dimension de la repentance. You are in the dimension of the repentance. Tu es en train d'attendre le baptême du Saint-Esprit. You are waiting for the baptism of the Holy Spirit. Dans la repentance. In the repentance. Saint-Esprit descend pas, hein? If the Holy Spirit c'est compliqué. Does not come, it is complicated. Hallelujah. Hallelujah. La repentance, c'est le changement de direction. The repentance is je partais par direction. Là, cette direction. I was going in this direction. La repentance vient. The repentance comes. Je tourne carrément and I turn. Et je reprends cette direction. And I take this direction. C'est ça la repentance. This is what is called the repentance. Hallelujah. Hallelujah. Peuple de Dieu. People of God. Vous êtes là? Are you there? Vous êtes là? Are you here? Alléluia. Amen. 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 La repentance te prépare. Repentance prepares you. À l'arrivée de celui qui ôte le péché. To the arrival of the one who takes away sin. Voici l'Lion de Dieu qui ôte le péché. This is the Lion of God that takes le baptême away de Jean-Baptiste te prépare the baptism of John à ce que les péchés soient ôtés. For your sin to be taken away. Jean 3, 3, 5. John 3, 3, si 5, un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Cannot inherit the heaven. Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. Le baptême d'eau, the baptism of by water, c'est être né d'eau. Is to born, le baptême du Saint-Esprit, the baptism c'est of être né d'esprit. Is to born, c'est ce que spirit. Jésus a dit à Jean-Baptiste. This is what Jesus Christ si said to John un Baptist. Homme n'est né d'eau, if a man is not born from et si water, un homme n'est né d'esprit, and also from ne the peut spirit, pas avoir le royaume de Dieu. Cannot enter to the kingdom of en God. Français facile, like easy French, ton téléphone que tu tiens, là, your phone that you hold, il y a des verrouages avec code, there is unlocked with a code et empreintes. Premièrement, si tu utilises le code, fingerprint, if you use the password, ça a déverrouillé partiel, de façon partielle. It was half. Il te faut encore l'empreinte. You need a fingerprint pour déverrouiller complètement. And to have it unlocked donc, completely. Né d'eau et d'esprit. Born in water. Faut déverrouiller avec code et empreinte. Peuple de Dieu. People of God. Ce soir, tonight, tu dois être né d'esprit. You should. Puisque tu es déjà né d'eau. You are born. Tu as déjà pris ton baptême d'eau. From by water. Qu'est-ce qui reste? What remains? C'est l'esprit. What left? It is a spirit. Parler en langue. Speak in tongue. Hallelujah. Hallelujah.
Pour être rempli du Saint-Esprit, to be filled by the Holy les disciples Spirit, ont attendu. Disciples waited. Ils ont attendu. The disciples waited. Il y a 50 jours entre 50 Pâques days between et Pentecôte. Easter and Pentecôte. On a fêté Pâques. We celebrated Easter. 50 jours après, and 50 days later, on va aussi fêter Pentecôte. We will celebrate Pentecost. Mais la parole de Dieu nous dit où? And the word of God said, les disciples ont demeuré en un seul endroit. The disciples stayed in one place. Ensemble. Together. D'un commun accord. Like in unit. En attendant. Waiting. Le baptême du Saint-Esprit. The baptism l'arrivée of the du Holy Saint-Esprit. Spirit. Nous sommes là ce soir. We are here tonight. On attend avec foi. We wait with le Saint-Esprit faith va descendre. The Holy Spirit to come. Alléluia. Hallelujah. La repentance c'est l'eau. Repentance is water. Mais la conversion, but conversion, c'est le Saint-Esprit. Is the Holy Spirit. Vous me comprenez? Do you understand me? La conversion, conversion. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi véritablement, not have truly the Holy Spirit in you, la conversion est difficile. Conversion is very hard. La transformation est difficile. Transformation is difficult. Hallelujah. 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 Peuple de Dieu, people of God, nous allons nous préparer. We will be pour ready le baptême du Saint-Esprit. For the baptism of the Spirit. The Holy Spirit. Nous avons une heure pile pile. We have 1 hour pour être rempli du Saint-Esprit. To be filled by the Holy Spirit. Nous avons commencé aujourd'hui. We started today. Dimanche, Sunday, mercredi, je vais enseigner sur ça. And Wednesday, I will teach about l'autre vendredi that encore baptême du next, Saint-Esprit. The upcoming Friday also. Demander les dons spirituels. And ask for spiritual gift. Jusqu'à Pentecôte. Pentecost. Si tu n'as pas reçu ce soir, if you did not receive tonight, tu vas recevoir dimanche. You will receive Sunday. N'a pas reçu dimanche. If you did not receive it on Sunday, écoute les enseignements de mercredi soir. Listen to the Bible study of Wednesday. Prépare ton cœur. And make your heart ready. L'autre vendredi. And the next, the upcoming Friday. Ensuite, and nous allons rentrer dans Pentecôte. We will enter into Pentecost. Alléluia. Hallelujah. Nous allons nous tenir debout. We will stand up. Demandez au groupe musical de s'avancer. And I will ask the musical group to come forward. Vous allez nous introduire. You will introduce us. Vous allez nous introduire. You will introduce us. C'est le moment de prier. Ceux qui sont déjà baptisés du Saint-Esprit, those who are already baptized by the Holy Spirit, priez à ce que le Seigneur encore vous remplisse à nouveau. Pray for the Lord to fill you more. C'est-à-dire que ton stock peut être vieux. Your stock may be old. Hold. Ton stock peut être vieux. Your stock may be old. Faut demander à ce qu'il renouvelle ça. Ask the Lord to renew it. Renouvelle le stock. And renew your stock. Et ensuite, les dons spirituels. And the spiritual gift. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthians 12. Don de parler en langue. The gift of speaking in tongues. Don de paroles de connaissance. Of word of don de paroles de sagesse. And wisdom. Don d'opérer des miracles. And to operate miracles. Don de guérison. And to heal. Don de discernement. And gift of discernment. Alors, don de prophétie. And the gift of prophesying. 7. 7. Tu peux demander à l'Éternel de te donner ces dons spirituels. And to give you all celui qui est gifts déjà rempli du Saint-Esprit. The one who is mais celui qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit. The one who haven't yet been filled by the je Holy vais vous Spirit, demander I will ask you de préparer vos cœurs. To prepare your heart. Préparer vos cœurs. Prepare your heart. Afin que le Seigneur puisse nous visiter. So the Lord can visit us. Nombre 11, 25, 26. Ne projetez pas number, les versets que je vais lire. 11. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. That was in the Old Testament. C'était dans l'Ancien Testament. It was in the whole, 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Ne négligez pas le don. Do not neglect the gift. You have a car. Pour toi là même ça démarre avec bouton. Tu appuies et puis ça va. And you have a start off.
Barnum. Et ça vaut même pas 3 km de l'église. And it is less than 3 miles from the church. Viens prendre. And say, come and take it. Ça là même tu veux pas. And you don't. Si tu savais. If you knew. Dis, dispose ton cœur. Make your heart ready. C'est pas grave. It is now. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Il tape là où il veut. He hit wherever he wants. Dit, ton cœur me peut être dur. Your heart dû, may be hard, hard. Quand le jour va arriver là, when the day will come, il va briser ça. He will break it. Il va fendiller ça. He will break it. Et puis tu seras rempli du Saint-Esprit. And you will be filled by the Holy Spirit. Pardon, ne quitte pas seulement l'église. Do not reste seulement. Just stay. Faut rester seulement. Stay. Ton jour va arriver. Your day will come. Ton jour du baptême du Saint-Esprit. Your, the vient. Day of the, your Alléluia. Baptism will come. Il va pas laisser quelqu'un. He will not leave anyone. Alléluia. Alléluia. Nous, on nous avait fait comprendre que pour demander le baptême du Saint-Esprit, il faut prier, crier, tomber à terre, secouer. Pray hard. Aye, on a fait tout ça, ça n'a pas marché. We did all this, it did not work. C'est le cœur. It is the heart. On dit d'ouvrir le cœur. Open your heart. Alléluia. Alléluia. Nous allons dire merci au Seigneur. Alléluia. Pour cette soirée. We'll say thank you to the Lord for this evening. Le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit qui nous a encore donné that he sa manifestation, his manifestation, il nous a encore catapulsé. We was pushed up. C'est-à-dire un bonus. This is a bonus. Voilà. En tout cas, j'ai reçu quelque chose. I received something. Vous aussi qui chantez derrière, vous avez Alléluia. Aussi reçu quelque chose. Nous avions reçu. Disposez vos cœurs. Alléluia. Donc, ne pleurez pas seulement. Aspirez au baptême du Saint-Esprit. Aspire, je vois que beaucoup, les larmes là, ça coule. Ça, c'est l'onction. This is the anointing. Ça, c'est l'onction qui te saisit, qui te touche. C'est pas ça qu'on veut, en fait. This is not what we need. On veut dehors là, quand ça touche. On veut dedans là. We need inside. Vous voyez. The interior. Pour que tu parles là. So you can speak. Voilà. Rempli du Saint-Esprit. Then you feel by the Holy Spirit. L'onction vous touche, ça c'est bon. Mais I don't think ça we c'est touch dehors. You. This is outside. We need to get the inside. Une fois que vous allez quitter l'église, when you leave the church, arriver à la maison d'ici demain, l'onction like, qui t'a touché là, c'est parti. The anointing will leave. C'est parti. Oui. Mais quand tu as ça dedans, when you have it inside, c'est ça qui est bon. This is what is the best. Nous allons dire merci à Dieu. We will say thank you to the Lord. Pour ce qu'il a fait pour for nous ce soir. Seigneur, nous te tonight. Bénissons, nous te rendons grâce, te glorifions encore parce que ce soir tu nous merci as visités gracieusement. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Pour mon frère Kabore Diodone. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu Alléluia. As commencé avec ma sœur Rosine. Alléluia. Et ma sœur Prisca. Merci Seigneur. Pour tu as commencé moment. Seigneur dans la vie de Alléluia. Ma sœur Zurata, ma sœur Maryse, ce que tu as commencé dans merci la vie de ma sœur, la femme de Sébré. Seigneur de Jésus, merci continue. Pour la vie, ce que tu as commencé dans la vie de ma sœur Ève. Merci, Jésus-Christ, je sais que quand tu commences, tu vas au bout. Au nom de Jésus. Seigneur, merci, tu n'abandonnes jamais au milieu du chemin. Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci pour les merci délivrances. Pour merci pour merci les guérisons. Pour le renouvellement de stock, merci encore, Père, gloire, de m'avoir donné ce réveil. Encore, Seigneur, ce de réveil. M'avoir relancé. De, Jésus-Christ, de nous avoir encore Alléluia. Relancé par ton Esprit Saint. De Jésus. Père, reçois la gloire. Et que l'honneur te revienne à jamais. Amen. Au siècle des siècles, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Stay blessed, que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Levez-vous, on va chanter, prendre les dîmes, amen, les offrandes. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Oh mon Dieu qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre. À toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité.
que le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, il n'a que le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te célébrer de tout mon cœur, de tout mon cœur, pour l'éternité. Tu m'as donné, tu m'as donné, tu m'as donné la vie, il n'a que le bonheur et la joie. Tu m'as donné, tu m'as donné la vie, il n'a que le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te célébrer, je veux te célébrer de tout mon cœur. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Chante Alléluia, Alléluia, oh. Allé, Alléluia, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia, oh, Alléluia, oh, Jésus m'a sauvé. Amen, amen. Je vais prier pour le pasteur, celui que le Seigneur réellement a utilisé ce soir. Je ne sais pas tout le monde, mais j'ai reçu une nouvelle force ce soir. Amen. Et je peux dire vraiment que le Seigneur m'a encore renouvelé. Et je voudrais vraiment que nous prions pour son serviteur, que le Seigneur continue encore de se révéler puissamment à lui, pour qu'il puisse continuer d'être une source d'énergie, une source de bénédiction dans le monde spirituel et dans le monde physique. Alléluia. Excellent Père, je te dis merci. Encore merci pour la vie de ton serviteur. Tu l'as choisi avant même sa naissance et tu l'as prédestiné à ce ministère. Mon Dieu, mon roi, et ce soir tu l'as encore utilisé, tu as témoigné de ta fidélité dans sa vie. Tu l'as encore utilisé puissamment pour délivrer, pour encore déposer, Seigneur, ta puissance à travers ton esprit. Je te prie, Seigneur, de continuer à le garder. Je te prie de continuer à le bénir. Je te prie de continuer à l'utiliser, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, accroît. Que tes dons et tes talents, Seigneur, accroissent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, qui ne regrette jamais de t'avoir servi. Bénis sa vie sur tous les plans. Bénis sa vie spirituelle. Bénis sa vie financière. Bénis sa vie physique. Donne-lui une santé de fer. Mon Dieu, mon roi, combat ses ennemis. Et qu'il reste, Seigneur, dans le silence pour la seule gloire de ton nom. Étends son ministère pour lui. Seigneur, Père éternel, que de tous les quatre coins du monde, Seigneur, qu'on parle de ses œuvres. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous allons passer le micro et je vais demander des actions de grâce. Si le Seigneur vous a fait quelque chose, brièvement, nous allons dire merci à Dieu de façon solennelle pour qu'ensemble nous puissions partager ces actions de reconnaissance. Donc, action de grâce. Je vais commencer par moi-même. Je voudrais dire merci à l'Éternel parce que j'avais eu un voyage d'une semaine. Le Seigneur a veillé sur moi, il m'a gardé. Il m'a béni abondamment et je voudrais vraiment lui dire merci pour sa grâce et sa fidélité, sa bonté qui se renouvelle de jour en jour. Amen. Action de grâce, le frère Mohamed. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai quitté l'église. J'ai quitté physiquement cette église. Vous avez voyagé. Effectivement. Et ça fait plus de 1 an, 6 mois que je suis en Corée. Ouais. Et vraiment, depuis que je suis là-bas, je ne vois l'œuvre de Dieu ne cesse de se manifester dans ma vie. Amen. Parce que déjà, même l'unité où je suis, je vois beaucoup que si je compare ma situation par rapport à certains de mes amis avec qui je suis parti, il y a une très grande différence. Et tout ça, c'est Dieu qui manifeste sa vie. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bénisse votre séjour. Action de grâce.
merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Moi aussi, j'avais voyagé avec l'enfant et puis je suis revenue. C'est une sauve par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Et aussi, mon enfant, comme vous savez, il est beaucoup malade. Et pendant le voyage, il était malade. D'abord, on est revenu malade encore. Mais Dieu est en train de faire un peu. Je vois qu'il est en train d'avoir l'amélioration. Et je suis convaincu qu'il sera guéri totalement au nom de Jésus. Amen. Et je dis merci à Jésus pour cela. Amen. Amen. Action de grâce. Oui. Alléluia. Amen. J'aimerais dire merci à Dieu de manière générale. L'état dans lequel je suis, je ne peux pas trop m'exprimer, mais en tout cas, je veux dire merci au Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses pour moi durant cette semaine. Gloire à Jésus. Ma semaine a commencé par un pneu qui a explosé. Ça fait la deuxième fois en l'espace de 3 mois que ça m'arrive pendant que je suis en train de conduire. Et à part ça, il y a d'autres choses que le Seigneur a fait. Je veux lui dire merci pour ça. Gloire à Jésus. Que le Seigneur continue de vous garder et de vous protéger. Action de grâce. Amen. Moi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que ce soir, quand je suis venue, je me sentais vide. Il n'y avait rien. J'étais vide. Mais présentement, je me sens rempli. Et je rends grâce à Dieu. Amen. 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 Gloire à Jésus. Action de grâce. Ok, si nous avions fini avec les actions de grâce, je vais vraiment vous demander de vous tenir debout. En position de debout, nous allons dire merci à l'Éternel. Je sais que le Seigneur a assez fait dans la vie de tout un chacun. Et que si chacun va prendre le micro, on risque de ne pas quitter ici. Donc ensemble, nous allons élever nos voix et vraiment reconnaître la grandeur et la puissance de l'Éternel. Donc ensemble, prions le Seigneur. Excellent Père, nous te disons merci. Seigneur, je te rends toute la gloire, car sur la terre et sur les cieux, tu es l'unique Dieu qui est digne de gloire et digne d'être adoré. C'est pour cela ce soir, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous élevons ton nom et nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait pour les frères, pour ce que tu as fait pour les sœurs. Même ceux qui n'ont pas pu prendre le micro dans leur cœur, ils sont reconnaissants pour ce que tu as fait pour eux. Et nous joignons ensemble notre voix. Et nous te disons merci Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté Seigneur. Que ton nom Seigneur soit élevé Seigneur pour toujours. Et cela pour la seule gloire de ton nom. Nous t'avions prié. Merci pour tes bénédictions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il n'y a pas il y a quelque chose, une annonce que l'église, je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire ou les responsables de l'église. Ça, c'est dimanche. Okay. Voilà, donc on me charge de vous informer que tout le mois de juin, nous aurons, sera consacré du moins pour l'évangélisation. Et nous allons venir ici en présentiel et pour quelques instants. Et maintenant sortir ensemble, évangéliser avant de revenir. Donc, de par les années passées, on l'a fait. Donc, les anciens au moins ont une idée de quoi il s'agit. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hein? Ok, effectivement, vous allez constater sur la plateforme que le pasteur a envoyé un message le mercredi passé pour nous signifier à tous que l'heure de l'étude biblique qui était ordinairement de 20h30 à 22h sera maintenant de 20h00 à 22h. Donc veillons ajuster nos emplois du temps en fonction de cette heure-là. Donc que le Seigneur nous bénisse et nous donne réellement d'être obéissants. Amen, amen. Et il y a aussi la possibilité, il a laissé la possibilité, parce qu'il y a des gens qui viennent en présentiel. Donc il a laissé la possibilité, si réellement vous êtes en mesure de le faire, il faut le faire. J'aime vraiment son témoignage quand il prend photo physique et puis photo et puis ta femme, ta vraie femme. Donc vous allez constater que le présentiel et surtout aussi en ligne là, ce n'est pas la même chose. Que le Seigneur vraiment vous donne la force de le faire et de suivre la vision, d'épouser la vision au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose?
Amen, amen, amen. S'il n'y a plus rien, je vais demander à la sœur Bénédicte Songnava de nous congédier, de demander à ce que l'Esprit de Dieu nous ramène chez nous, nous garde. Demain, c'est samedi. Dimanche, Christ n'est pas encore venu. Bon, on va se retrouver ici. Amen. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu nous as accompagné ici. Nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te rendre toute la gloire, l'honneur et la magnificence en toi, Seigneur. Pour tous tes bienfaits, Seigneur, sois magnifié, sois élevé, sois glorifié. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, il est temps pour nous de rentrer. Et je prie, Saint-Esprit, que ton esprit nous accompagne. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce que nous avons reçu ici ce soir, Seigneur, puisse nous accompagner, éternel, mon Dieu, mon roi. Et que dans nos sommets, Père éternel, nous continuons à t'élever, à te louer, à te magnifier, Seigneur, à glorifier ton Saint-Nom. Père éternel, mon Dieu Tout-Puissant, je te prie de garder tout un chacun, afin que, Père éternel, si tu ne revenais pas, que nous puissions nous rencontrer ici dimanche encore pour te louer, pour te glorifier, pour la seule gloire de ton nom. Jésus. Seigneur, accompagne tes enfants sains et saufs pour la seule gloire de ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Dormez bien. Tout il ne jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Il ne m'a jamais déçu un jour. Depuis que je suis dans la main.